Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant. Bien-aimés de Dieu, nous lisons aujourd'hui une scène dans l'Évangile où Jésus se retrouve avec ses disciples dans une barque qui prend de l'eau. Mais lui, il dort. Et les disciples prennent peur et crient, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et Jésus, se levant, leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Après, tout se calme. Jésus nous montre qu'il domine les éléments de la nature qui menacent la barque qui est symbole de l'Église, que ce soit l'Église diocésaine, l'Église universelle, l'Église paroissiale, mais symbole aussi de nos familles, de toutes nos communautés qui parfois sont menacées par des vagues de toute nature, des échecs, des maladies, des agressions, des décès. Et parfois, on a l'impression que Jésus dort, effectivement. Mais qui a déjà pris une barque ou une pirogue, c'est qu'il est impossible de dormir quand une barque prend de l'eau. Saint Jean Chrysostome dit que il prit avec lui ses disciples dans la barque pour leur montrer ces deux choses-là. Ne pas s'effrayer devant les dangers et ne pas tomber dans la vanité des éloges. Alors que le pape Benoît XVI dit, Jésus ne veut pas que nous soyons des personnes passives. Il veut que nous soyons des instruments actifs, responsables, mais à la fois pleins d'espoir. Voici le code pour affronter les tempêtes de la vie. Il est important de se rappeler tout le temps que Dieu nous laisse souvent dans les peurs pour voir comment nous pouvons affronter la vie, mais notamment pour faire grandir notre foi. Je rappelle que la foi, c'est une relation de confiance entre Dieu et l'homme. Dans cette relation, Dieu qui est comme le Père, qui tient notre main, attend de nous, comme le pape Benoît le dit, une réaction responsable, c'est-à-dire quoi? Une relation de confiance avec lui. Seigneur, je sais que tu ne peux pas me laisser tomber. Mais également une relation où nous nous abandonnons entre les mains de Dieu. Seigneur, entre tes mains, je remets ma vie, je remets mon esprit, je me remets. Mais également une relation d'obéissance à Dieu. Le Seigneur nous donne une direction, le Seigneur nous envoie en mission, le Seigneur nous donne une orientation, nous l'assumons et faisant confiance, nous nous engageons pour aller de l'avant. Et la foi a deux ennemis, je dirais même trois, qui sont très dangereux. La peur, le doute, également la torpeur. La peur, le doute, la torpeur ou bien ce démon de midi qui fait qu'on s'endorme, qu'on somnole, on est dans la somnolence. Ici, c'est la peur. Et notre vie a des éléments qui nous font peur. On peut les identifier. Et nous remettons entièrement entre les mains de Dieu pour pouvoir les affronter. Que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2756? La confiance filiale est mise à l'épreuve quand nous avons le sentiment de n'être pas toujours exaucés. L'Évangile nous invite à nous interroger sur la conformité de notre prière au désir de l'Esprit. Accueillons aujourd'hui notre vie, offrons-la au Seigneur, sachant qu'il nous tient par la main et marchons avec lui sans crainte, sans peur, dans une confiance totale. Et que Dieu vous bénisse. Amen.